Juju Kalaba. On fait comment, oh, oh. Juju Kalaba. Juju Kalaba est un comportement pathologique qui ne peut faire avancer personne dans le monde. Le sorcier n'est seulement pas celui qui tue ou celui qui se transforme la nuit, mais celui qui empêche aussi les autres d'évoluer. C'est lui le sorcier. On s'amuse, on rigole, on danse, on rigole, grâce à qui? Juju Kalaba. Je voulais savoir quel était l'esprit du bon Dieu quand il créait la femme. Parce que les femmes sont très compliquées. Si ça vous venait, je voudrais les voir. Parce que hein, le pays a dû les changer. Le pays change. Déjà, vous trouvez que le taxi comment? Ah, mon fils, les histoires de taxi, si ce n'est pas facile, hein, mon fils. Et tu montes parfois et dans un taxi, le taxi est propre. Parfois, tu montes dans un taxi, mais le taxi a les trous. Le taxi est vraiment troué. Parfois, il pleut même dans le taxi. Et parfois, hein, mon fils, le taxi, et il se plaignait à l'époque que oh, c'était moins cher. Et le gouvernement a augmenté à 50 francs. Et maintenant, même, tu prends même le taxi à 300, il refuse. Il te demande, tu ajoutes combien? Et je ne comprends pas l'esprit des taximans. Et parfois, il y a ceux qui sont responsables, à comme celui qui nous conduit là, hein, mon fils. C'est un responsable, il est d'abord bien habillé et propre. Il y a des taximans ici que quand tu vois, voyez une fois un bandit, donc tu vois seulement le banditisme dans ses yeux. Et parfois même, il refuse même que tu prennes le numéro de la portière ou bien de l'immatriculation. C'est ça que j'ai bien prononcé. Oui, mon patriage. Et voilà. Et donc moi, quand je monte dans un taxi propre, parfumé comme ça, et je commence à chanter lorsque vous m'avez trouvé dans un train de chanter. Et j'ai répondu à ta question. Oui, oui, mon patriage. Ok, mon fils. Bon, je veux quand même remercier tous les taximans honnêtes. Hein, parce que les taximans honnêtes sont très peu. Et ceux qui sont malhonnêtes, ils ont toujours les taxis brisés, les taxis broyés, les taxis cognés partout. Ça, c'est les taximans qui aiment les problèmes. Quand tu vois un taximan que sa voiture est écrasée partout, les pare-brises cassées, tu sens que même chez lui, les caleçons sont troués. Mon fils, je peux saluer quand même quelques personnalités. Bien sûr, mon patriarche. Ah, je veux saluer mon ami Serge. Serge, le commandant Serge Mbessel. Je salue aussi mon ami Prézi. Prézi des Prézi, il se reconnaît. Et sans oublier Mitterrand. Mitterrand, lui, il avait l'argent. Il ne sait pas appeler les amis. Il faut le lui dire. C'est quelle télévision ça? C'est Kalaba TV. Ah, Kalaba TV. J'ai toujours entendu parler de ce garçon. Il faut aussi saluer tous les carabinettes et les carabineux. Tout le monde, mon enfant. Okay. Merci beaucoup, pardon, laisse-moi arriver à destination. Ok, merci mon patriage. Bonne journée. Bonne journée, mon fils. La vie est belle. La vie est belle, mon fils. Et surtout, quand il n'y a pas les chômeurs qui sont toujours en train de gratter, mon vieux, donne-moi. Regarde-moi, il a habité Fajem. Fajem l'a rappelé. Mon voici dehors. On s'amuse. Appelez-moi Junju comme un héros.